Salut, bonjour à tous, c'est Jerem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Z Shan Budokai, donc le premier du nom sur PSP, donc le tout premier jeu PSP, enfin le tout premier jeu DBZ pardon, qui est sorti sur PSP. On va se lancer du coup une petite partie, on va en faire une nouvelle, voilà. Donc moi j'avais déjà commencé à me faire une petite partie comme ça pour bien vérifier que l'émulateur était comme il fallait, parce que bon, je préférais ne pas prendre de risques. Surtout que pour moi c'est un jeu qui compte énormément, et puis c'est aussi un jeu que j'avais fait sur mon ancienne chaîne, et aussi sur... Enfin, je voulais le faire en fait, mais vu que mon PC m'avait lâché entre temps, du coup voilà, ça avait fait un petit peu de merde, donc c'était pas le PC... Le PC fixe que j'avais, c'était mon PC portable Asus là. C'était pas pareil. De toute façon, il n'y avait qu'avec celui-là que je pouvais faire fonctionner des jeux du type PSP, parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de puissance au PC. Donc le R, voilà, j'étais un petit peu paumé dans ce que je voulais vous dire. Oui, et puis aussi du coup, oui, vous saviez que vous aviez donc le jeu, enfin le Let's Play de Pokémon épée qui était en cours, donc j'avais fait aussi une petite vidéo pour vous parler de ça. Alors en fait, il se trouve que moi, j'ai continué le jeu tout seul en solo. Et puis, pour le coup, j'ai préféré laisser comme ça. Et j'ai d'ailleurs, en plus, à la maison, terminé le jeu. Et en plus, vu que le jeu, finalement, j'ai changé un petit peu d'avis par rapport à ce que j'avais dit au départ. Finalement, le jeu m'a vraiment plu. Donc voilà, parce que je suis vraiment là, du coup, allé jusqu'à la fin. Et je compte aussi m'acheter l'extension. Donc forcément, je pense que une fois que moi j'aurai acheté l'extension et que j'aurai fait tout le jeu, peut-être que là, à ce moment-là, je proposerai des vidéos. Là, pour l'instant, je vais vraiment me réserver le jeu pour moi tout seul. Voilà. Parce que finalement, il est pas si mauvais que ça. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'en ai ressenti. Donc nous, on va dans les options, on va changer les voix, parce que ça, par contre, c'était super pratique. On avait anglais et japonais, et moi, franchement, voilà, je suis un fan inconditionnel de Dragon Ball Z. Et si je n'ai pas ma version japonaise, je pète un plomb, parce que c'est un petit peu l'âme de l'animé, l'âme du manga, hein. Voilà. Ah oui, et aussi, en fait, du coup, moi, ce que je vais faire avec ce Let's Play, donc, c'est que je vais le commencer et puis le terminer. Vous aurez ensuite donc le deuxième jeu Shan Budokai. Et vous aurez ensuite le Tenkaichi Tag Team, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc voilà, vous aurez en fait les trois jeux qui étaient proposés sur PSP en Let's Play avant de faire un truc sur la Switch. Voilà. Parce que de toute façon c'était des jeux que je voulais absolument faire sur la chaîne. Donc voilà, vous aurez ça avant. On s'entame le chapitre 1. Bon, par contre je préviens, ça parle beaucoup dans le jeu. Donc il y a peut-être des choses que je vais sauter un petit peu parce que bon, voilà, c'est un petit peu chiant. Mais vous, après, du moment que vous avez l'affichage, c'est parfait. Il y a bien longtemps, 7 boules de cristal étaient réparties sur Terre. Celui qui parviendrait à les ramasser verrait son vœu exaucé. Sangoku et ses amis partirent à la recherche des boules de cristal. Le temps passa. Le magicien Babidi réveilla le terrible Bou, qui détruisit la Terre et toute l'humanité. Mais grâce à Sangoku, Bou fut finalement vaincu. Et la Terre fut sauvée à l'aide du pouvoir des Dragon Ball. Bon, j'ai Dragon Ball parce que bon, des fois, voilà, ça m'arrive. Moi, boule de cristal, pour moi, ça n'existe pas. La terreur disparut de tous les esprits et la vie paisible reprit son cours. Mais je vois que ça fait du bruit, ils vont se calmer, là, les gens. Ça m'arrive toujours quand il faut pas. Pouh, belle journée. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé camper. J'espère que Piccolo et Vegeta pourront venir. Papa! Hé, Sangwan, c'est quoi cet accoutrement? Je viens camper avec vous. Comme tu veux, mais tu n'avais pas des devoirs. Maman m'a dit, tu ne dois pas rester enfermé. Alors je viens prendre l'air et faire un peu d'exercice. Très bien, commençons les échauffements. Attends papa, on ne peut pas se battre devant la maison. Ah oui, désolé, allons plus loin. Attends papa, je ne suis pas prêt. Allez, on y va. T'inquiète, nous on va te dévergonder, parce que c'est vrai que depuis bout, t'es un petit peu... un petit peu mollasson, un homme. Hein ? Ça c'est pas bon ça. N'oublie pas... L'enfant que tu étais, enfin plutôt l'adolescent, quand tu as affronté celle. T'as tout dégommé, et après, on t'a transformé en chair à pâté. Tu valais plus rien. Donc maintenant, il faut que tu te refasses. Parce que moi, je te dis que... J'aime pas ça quand ça traîne. Allez, le gros Genkidama dans la gueule. Voilà. Ça, c'est top. Donc, vous voyez quand même que ça fait un jeu très efficace, hein. Le Shan Budokai, franchement, il m'a énormément plu. C'est un truc de fou.
Ils sont en train de boire, c'est pas très difficile à comprendre. Je suis allé trop fort? Ça faisait longtemps. Tu avais vite perdu la main, on dirait. Oui, mais ça reviendra vite. Bon, allons au point de rendez-vous. Ok, mais où est passé le Sangoten? Où est passé Sangoten? Il est allé retrouver Trunks. Vraiment? Allons-y. En même temps, c'est les deux poteaux, c'est les deux frérots, qu'est-ce que tu veux qui... Forcément qu'ils sont ensemble, abrutis. Là, on a obtenu deux stickers. Et là, on va affronter Kulilin, mon petit Krilin. On a encore le temps. Et si on y allait? Ok. Hey, Sangoku! Hey, Yamcha! Yamcha! Je vous ai vu passer en volant. Ah, Plume et les autres sont avec toi? Ils viennent en voiture, donc on devrait les attendre un peu. Ok. Et ton vélo que tu réparais? Ben, maintenant, il est en pièces. Enfin, je voulais m'amuser à le remonter. Alors comme ça, il est cassé? Hey, un Super Saiyan des objets fragiles, c'est pas compatible. Tu peux le réparer? Il a beau essayer, à chaque fois, il tombe en morceaux. Tu as parlé à Bulma? Elle sait prendre soin des vieilles choses. Ouais, comme de son petit Yamcha. Ah, voilà, son petit Vegeta plutôt. Parce qu'à cette période-là, du coup, oui, forcément, vu que Bulma a eu comme fils Trunks, elle est avec Vegeta. Ah ah, oui, c'est vrai. Et maintenant, si on est en voiture, on devrait y aller. On a encore des choses à faire, on vous rejoint. Ok, à plus tard. Salut! Sangwan, il faut pêcher quelques poissons pour le dîner. Super. Je m'en charge, toi tu vas chercher Piccolo. D'accord. Mais où est passée cette rivière? Que fais-tu là, Sangoku? Hey, Krilin! Je cherche un endroit où pêcher. Alors? Hahaha. Je savais que tu te moquerais. Eh bien, tu n'as pas changé. Non, touche pas à ma tête. Ah, arrête ça! Mais qu'est-ce qui te prend? Céduzit et Marlon m'ont utilisé pendant mon sommeil. Voilà ce qui s'est passé. Oh, comme au bon vieux temps. Ben oui. Bon, si on faisait un petit combat. Pas question que je me batte contre toi. Allez, pas de Super Saiyan. Et j'y vais doucement, ça va? Bon, ok. Mais pas de Kaioken non plus alors. Ok, c'est parti. Tu vas voir ce que tu vas avoir. Assez pratique hein, quand on peut jauger sa puissance à volonté comme ça. T'inquiète mon Kulilin, il n'y aura pas de Kaioken, je vais pas te foutre la misère. Il y a un truc qui est cool dans ce jeu, c'est que... Bon là par exemple, là vous avez vu qu'on va affronter, donc enfin on est en train d'affronter Krilin. Quand par exemple, des fois ça va nous arriver d'affronter, bah, genre par exemple si j'ai Vegeta, tu vois, j'affronterai sans doute Sangoku. Et bien si on le voit qu'il est transformé, sur la petite vignette en fait, on voit le personnage, bah ça veut dire que du coup, le personnage, donc Sangoku, bah, va se transformer. Voilà. Petit aparté que je voulais ajouter. Encore un classement Z avec Krilin. Attends, arrête! Quoi? Les attaques sont devenues plus puissantes. C'est que tu y vas de bon cœur, tant mieux. Vous voyez ce que ça fait les textes comme ça? Putain, qu'est-ce que j'aime pas. Ça fait longtemps, je suis nerveux, c'est plus fort que moi. Bon, c'est parti, me voilà. Au fait, où sont M. Satan et Bou? Oui, Bou peut enfin sortir. Écoutez Bou, un héros doit avoir un cœur pur et une âme noble. Ils ont bien étudié la société et pas mal voyagé. Ouah, ça sonne bien. On dirait que M. Satan a vu trop de films historiques, mais... Mais où est-il maintenant? Il paraît qu'il a emprunté une navette pour filer. C'est dingue, je sens qu'on va bien s'amuser. Je crois que M. Satan regarde encore trop de films. Bon, on devrait y aller. Oui, tu as raison. Bon, voilà les dialogues, hein, c'est pas non plus super fou. Hein. Sangoku a atteint un nouveau niveau de transformation, donc ça veut dire qu'on aura le Kaioken. Et donc, la troisième combat, on affronte le démon Piccolo. Quand Sangan arriva au temple du Tout-Puissant, il ne trouva personne. Il ne reste que la chambre temporelle. Et où est passé tout le monde? Eh, hey, Sangwan! Monsieur Piccolo! Alors là, du coup, dans cette version, il l'appelait Monsieur Piccolo, donc après, voilà. Content de te voir, il n'y a personne ici. Tout le monde est parti camper. Ah, je ne savais pas. Ici, je ne sentais pas le monde extérieur. Un des cailloux a appelé? En quelque sorte. Eh ben, Gohan, ça fait un moment que je ne t'ai vu accoutrer ainsi. Haha, papa a dit la même chose et après on a fait un combat. Je vois. Eh bien, si on faisait un petit combat aussi? Ok, ça fait longtemps, Monsieur Piccolo. Ah, tu vas regretter le temps où tu portais des couches culottes. C'est parti, très bien. Eh ouais, tu m'étonnes. Vas-y, Piccolo. Donne tout, mon copain. Donne tout. Un des personnages que je kiffe le plus dans la série, putain.
C'est vraiment... Surtout moi ce que j'adore c'est l'affinité qu'il a avec Gohan. Ça c'est quelque chose. C'est vachement beau. Savoir que c'est lui qui l'a forgé. Donc pendant que son père n'était pas là. Allez gros, Kamehameha. Allez dégage. Je crois que là on est sur le point de faire un perfect. Voilà, un petit perfect. C'est cool. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ces voix, putain. Ah, vous imaginez même pas. Ouah. Bien, cette puissance est digne d'un Saiyan. Tu es vraiment devenu plus puissant. Bravo, Gohan. Je suis fier d'être ton disciple, monsieur Piccolo. Ouais, tu m'étonnes, t'es un disciple pareil, sans déconner, tu kiffes. Allons-y, j'ai hâte d'affronter Sengoku. Mais c'est vrai, tu étais un des adversaires de papa. Ça fait bien longtemps maintenant. Enfin, il me tente de nouveau de l'affronter. Allons-y, ok. Il a mis ok point. Il m'a rembarré. Non, je déconne. En vrai, je comprends pas les gens qui trouvent quand tu mets un ok point, ça veut dire que t'es en colère. Moi-même, d'ailleurs, justement, j'écris comme ça parce que je sais pas. Enfin, je trouve que c'est... Enfin, voilà. Tu vois, moi, j'ai ma joie de vivre, donc tu vois, je suis pas tout le temps... Enfin, je veux dire, je suis pas énervé, tu vois. Et je sais pas, tu vois, quand les gens, tu leur mets un ok point, ou même que tu mets un ok point avec un smiley, ils trouvent qu'il y a un truc qui va pas. Ils sont chelous, les gens, je trouve. Enfin, après, c'est ancré dans la tête, hein. C'est souvent comme ça, hein. Mais moi personnellement, on m'écrit avec un point, je dis pas bah il fait la gueule ou elle fait la gueule, tu vois. Bah, c'est bizarre quand même ce truc de se dire qu'avec un point à la fin, c'est sec, que voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Continuons la partie. Monsieur Piccolo, c'est quoi là-bas? On dirait Gotenks. Pourquoi ont-ils fusionné? Gotenks, Sangohan, que fais-tu en état de fusion? J'ai détecté une énergie très puissante par ici. Ah bon? Pas moi. Tu l'as détecté? Vraiment? Une énergie puissante? C'est pas plutôt ton imagination? Je l'ai senti, c'est vrai. Vous êtes à la traîne, les gars. Surtout toi, Sangohan. Allez, bam dans la gueule. Gotenks. Si ça t'embête tant que ça, viens me chercher. Sangohan, on devrait lui clouer le bec. Oui, Gotenks revient. Viens donc me chercher, je ne vais pas être tendre avec toi. Allez, c'est parti, un petit éclatage de gueule, là. Ils vont voir les deux potes là. Sangohan, chauffe-toi. Ah putain. Ça des fois, quand tu spams les petits Kamehameha ou les petits... Comment ça s'appelle déjà putain? Les petits Kiko, les trucs comme ça. Autant dire que des fois ça peut faire chier la personne. Je me rappelle combien de fois je jouais en LAN contre d'autres potes et tout. Et des fois on se faisait chier comme ça à se balancer des petites attaques. Et genre en plus qui font quand même pas mal de dégâts. Donc tu vois, genre tu vois le mec il se prend un dégât. Toi t'as le temps, j'ai pas genre 2-3 secondes après de le spammer. Et du coup des fois tu peux faire ça mais sans t'arrêter. Ça a de quoi faire rager les gens. Tu n'as qu'à bien te tenir. Mince, cette fois ça va pas être du gâteau. Bon, où est passée cette énergie? Ça n'a duré qu'une seconde. Ce n'était pas mon imagination. Je n'ai jamais rien vu de pareil. La chose est prête au combat. Ils doivent tenter de la couvrir. Je devrais être seul sur Terre à émettre une telle énergie. Ça doit être un méchant. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas ce que c'est Gotenks a senti. On ne sait pas ce que c'est ce que Gotenks a senti. Exact, et ça ne sert à rien de chercher à le découvrir. Bon, à moins que ça ne recommence, on devrait continuer. Tu as raison. Oui, si on veut camper, on doit y aller. C'est vrai. Donc là, ça va, le premier chapitre est pas très long. Mais par contre, le deuxième chapitre, il y aura beaucoup de combats, donc... je pense que je ferai ça en 2 ou 3 parties. Parce que c'est vrai que quand tu tapes beaucoup de dialogues, du coup, ça passe super vite. Et puis, des fois, t'as pas forcément le temps de faire grand-chose, alors que du coup, t'as parlé tout le long, quoi. Allons-y. Quoi? Que se passe-t-il? Sachant qu'en plus pour le jeu je crois qu'il y a 5. Je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres à faire. Autant dire que de toute façon tu joues aller pendant une dizaine d'heures peut-être. Je pense qu'au bout de 10 heures tu l'as fini. Je l'ai trouvé, la grande énergie. Tu ne peux pas te cacher. Attends Gotenks. Je le suis. Ok, vas-y. C'était quelque part par là. Eh, sors de là. Quoi? C'est toi qui me suivais? Je suis occupé. Tu n'es pas terrien, n'est-ce pas? Mais tu ressembles à Piccolo.
Ouais, Pekuhan. Mais en même temps, tu es capable, tu es complètement différent. Peu importe, pourquoi es-tu là? Je cherche quelque chose, mais ça ne te regarde pas. Enfin, tant que j'y suis, j'ai une question. Connais-tu Sangoku? Sangoku, c'est mon père, et le plus grand adversaire de mon père. Quelle réponse étrange. Oh, tu dois utiliser la technique de la fusion. C'est exact. Je suis Gotenks, le plus puissant de l'adversaire de l'univers. Même si je viens juste de perdre mon frère, je suis Pekuhan, adversaire de Sangoku dans l'autre monde. Il faut que je le voie. Peux-tu me dire où je peux le trouver? Je ne sens plus son énergie. Je suis là depuis trop longtemps. Et tu penses que je vais te croire? Si tu veux voir mon père, tu devras te mesurer à moi d'abord. Je ne peux vraiment pas tuer le fils de Sangoku. Pourquoi le ferais-je? Tu crois pouvoir me vaincre avec la technique de la fusion? Tu es puissant. Bien, un peu d'entraînement. Allons-y. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a fait quoi? On va dire à peu près 4-5 combats. Enfin, c'est le cinquième combat, je crois, qu'on est en train de faire. On est déjà rendu bientôt à 20 minutes. Donc, vous voyez comme quoi ça passe vite. Oh, mon chat, coucou! Vous voyez pas, mais j'ai mon chat sur l'imprimante. Ah, mon bébé! Il est juste à côté de moi. Fais miaou! Ce gros cassos. Fais miaou! Oh, il est mignon, il braille. Tu vas faire de la toilette? Allez, voilà, une petite attaque. Enfin, plutôt sa plus grosse attaque. Et bam! Il est puissant, Pekuhan. Et très classe aussi. T'es toujours en classement Z, pourtant j'ai perdu pas mal de vie. Ce qui fait que tu vas faire un classement Z, c'est surtout quand tu vas le bombarder de grosses attaques. Et que tu vas, entre guillemets, ne pas trop te prendre de coups, quoi. À partir du moment où ta barre, ta première barre de vie, elle est tout enlevée, tu peux être sûr que tu feras pas un classement Z. Que quoi? Je devrais être plus fort et plus rapide. Pff, tu es fort, mais tu ne fais que t'agiter. Maintenant, reste tranquille et dis-moi où est Sangoku. Ok, ok. Par là, il campe. Tu devrais peut-être trouver de la nourriture d'abord. Oui, merci. Reviens m'affronter à l'occasion. Je serai à la hauteur cette fois. Oui, c'est promis. Adieu. À bientôt. Gotenks a atteint un nouveau niveau de transformation. Donc là, on a le Super Saiyan 1. Puis après on aura le Super Saiyan 3 après. Parce qu'il faut savoir que du coup ouais, il n'y a pas le Super Saiyan 2 pour les fusions comme ça. Même pour les fusions, enfin toutes les autres, hein, que ce soit Goku, Vegeta, il n'y a pas de Super Saiyan 2. Bon mais du coup je pense qu'en fait on va plutôt s'arrêter là parce que ça fait quand même un petit enchaînement de pas mal de combats et pas mal de lectures. Donc je trouve que voilà, un petit format de 20 minutes comme ça peut le faire. Et puis de toute façon, là, je pense qu'il doit rester à les 3-4 combats, puis après, c'est fini. Déjà, je ne me rappelle plus trop exactement, mais ouais, il doit rester au moins ça. Bon, les amis, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, salut !